On a pour la première fois du rallye le bon choix de pneus, donc c'est vrai que ça aide à être dans le bon rythme. On était tous à armes égales ce matin et ben, on a fait un bon chrono dans la première. Pas évident avec beaucoup de vieux goudrons, des plaques noires où c'est très très glissant. Et puis dans la deuxième, on a pas mal roulé non plus, un petit peu trop prudent sur le départ où les conditions de route étaient très difficiles, beaucoup d'eau, beaucoup de boue, de vieux goudrons, des pierres sur la route. Donc, on était prudent pour essayer d'éviter la crevaison et bon, on a lâché quelques secondes là, mais malgré tout on est content de la boucle. gauche en 30 plus, 120 mètres. Un gauche 120, léger coulé entrée, gauche en 20. Super heureux, une belle victoire, le Monte Carlo, c'est un rallye très particulier pour moi. Depuis mon enfance, c'est celui qui m'a fait rêver tout petit. Je voyais ces voitures passer devant moi et ça me semblait un monde complètement inaccessible. Et puis finalement, quelques années plus tard, après pas mal d'efforts, on a accédé au championnat du monde. On fait partie de ce monde aujourd'hui. Et l'année dernière, on a eu une année fantastique, on allait chercher notre premier titre de champion et on redémarre l'année 2014 avec une autre victoire, donc on ne peut pas rêver mieux. Les trois premières épreuves, on a gagné 5 courses sur 6, donc ça c'est très bien pour le trophée Andros. Ça nous a permis de passer les fêtes avec un peu d'avance. Peut-être qu'on a progressé aussi, ce qui fait qu'il y a un peu de différence, mais la concurrence est quand même là avec Dubourg, avec la Gorse, avec Panis. On a des pilotes expérimentés qui sont professionnels. Et Patrice Bertin.
On a pu gagner déjà les deux courses de Val Thorens, ce qui est très difficile à faire. Donc on est parti avec déjà en tête du trophée avec un peu d'avance. Donc ça déjà c'était très intéressant. On a pu gagner aussi une course en Andorre et les deux courses de l'Alpe d'Huez. Donc là c'est sûr qu'on ne s'attendait pas à gagner autant de courses d'affilée. D'ailleurs c'est la première fois que ça nous arrive. Dans le passé j'ai pu remporter le trophée, mais avec autant de victoires dès le début de saison, jamais. On a gagné la finale ce matin et on est premier après la première manche. Donc au pire, même si je ne roule pas tout à l'heure, je suis déjà second, donc ça se passe bien pour l'instant. Malgré le lest, on est toujours performant. On a des bons pneus pour tout à l'heure, mais on va vraiment attaquer pour la deuxième manche pour essayer de gagner ce soir. Quand je roule, j'ai ma façon de piloter. Après, je me vois pas rouler, donc je sais pas, je peux pas trop comparer avec les autres. Ce qui est important, c'est le chrono. A priori, mon style, ça fait de bons chronos, donc je vais continuer comme ça. Et celui qui va de nouveau remporter deux courses ici à Isola, reçu 7 sur 8, Jean-Philippe Perrault. Jean-Philippe Perrault, 7 courses, 7 victoires sur 8, leader évidemment de ce trophée, le tenant du titre. Voilà un super podium, Jean-Philippe Perrault, Franck Lagorce et Jean-Baptiste Dubourg. On gagne les courses les unes après les autres, donc on est vraiment au-dessus du lot. Pour pas gagner le trophée, il faut vraiment aujourd'hui qu'on ait différents problèmes qui se cumulent le week-end, des problèmes techniques, des problèmes de... Voilà, donc en principe, c'est pas le cas. On a, je suis dans une bonne équipe, la voiture marche très bien, donc il n'y a pas de raison. Sur le podium, on rejoint Monsieur Estrosi. Estrosi, le profil. Voilà, donc on va faire d'abord la photo avec les trois vainqueurs. Voilà, pour que... La saison 2014 s'annonce bien. On a fini 2013 pas super, parce qu'à l'Alpe d'Huez, ça s'est pas super bien passé. On finit 5e et 4e. J'ai du mal à me l'expliquer parce que c'est un circuit où je suis rapide, donc c'est difficile à comprendre. Et là, je repars donc à Isola 2000, plus motivé que jamais. J'ai qu'une envie, là, c'est gagner, mais là, j'ai vraiment encore plus envie qu'avant. C'est un tracé que je connais bien, mais malheureusement, c'est là où je me mets le plus de pression, parce que je sais que j'ai tous mes amis au bord du circuit et je veux tellement bien faire que justement, je veux trop bien faire et souvent, les erreurs arrivent. La voiture est identique à l'année dernière. Le seul truc qui a changé, c'est qu'on a changé de marque de pneumatique. On a des nouveaux pneus avec du cloutage fait main. Donc ils ont un petit peu moins de grippe que les continentales, que les clous continentales. On ne peut pas se freiner en latéral comme j'avais l'habitude de faire, il faut rouler un petit peu plus en ligne. Donc du coup j'ai une conduite qui est forcée, j'ai pas une conduite qui me vient naturellement. Et c'est pas évident parce que c'est pas mon style de pilotage, donc c'est pas facile, mais ça va, ça se passe. Christophe Ferrier, alias Ferrienen. Alias, qu'est-ce qu'on pourrait dire d'autre, c'est le déroulé de l'électrique. Absolument. Et voilà, Nice Côte d'Azur et Christophe Ferrier qui s'imposent. C'est pas regarde, salut tout le monde en plus. Tournée générale de Morito ce soir. Extraordinaire, victoire et attention au sprint, l'arrivée de oui, Louis Gervaison devant Nathanaël Berton et Yann Herlaché. C'est une petite cagasse là, en attaquant d'entrée Nathanaël Berton. Bonjour à tous, en compagnie de Nathanaël Berton. Bonjour. Tes premières impressions à propos de cette voiture électrique? Moi je connaissais pas vraiment la sensation de glisse pour rouler en GP2 où là justement il faut pas glisser. Ça me change complètement, par contre je prends un pied total. C'est vraiment extra parce que voilà, bah, quand on voit des circuits comme ici, ils sont complètement glacés. Et puis voilà, pour avoir une bonne glisse, pour aller vite avec de la glisse, c'est pas évident. Et du coup, en fait, faut se dire, je ne sais pas rouler, il faut que je réapprenne. Moi, ça me plaît énormément et je tombais amoureux du trophée Andros. Alors, qu'est-ce qui différencie un peu les trajectoires que tu peux avoir au quotidien en GP2 et les trajectoires qu'on peut retrouver ici? La notion de trajectoire existe toujours. Par contre, il faut la penser différemment. C'est-à-dire qu'il faut vraiment privilégier la sortie. Avoir les roues droites, malheureusement c'est très compliqué d'avoir les roues droites sur la glace, mais voilà, faut penser, être à fond le plus souvent possible sur le circuit, et donc pour ça en fait il faut placer la voiture en entrée, avoir la bonne vitesse d'entrée aussi, qui est très important, et puis voilà, c'est un mélange de pas mal de choses. 100 km/h, c'est impressionnant. Sur la glace, je peux garantir que ça fait
Ça fait vite parce qu'on ne s'arrête pas du tout comme, comme sur le mouillé ou comme sur le sec sur la route. Donc oui, 100 km/h, ça fait beaucoup sur la glace. Mais il y a des circuits comme Val Thorens où on peut atteindre les 120 km/h, voire 130 km/h. Et puis sinon, avec ces voitures sur le circuit de Pau, par exemple, où on a fait le Grand Prix électrique, le premier Grand Prix électrique d'ailleurs, là, on atteint des vitesses aux alentours de 200 km/h, un petit peu plus de 200 km/h. Donc non, c'est vraiment des voitures performantes. J'espère que la deuxième qualif sera moins vite. Comme ça, je partirai en pole et j'espère la gagner celle-là. Tu penses qu'en partant premier ici sur ce circuit-là, où c'est assez difficile de doubler, c'est, on peut dire c'est un peu comme à Monaco, on part premier, on arrive premier, ou ça n'a rien à voir? Alors sur la glace, il faut savoir que c'est très difficile de doubler, sans prise de risque, c'est-à-dire si on essaie de doubler une fois sur deux, ça passe pas. Et de toute façon, on est obligé de toucher, donc en général les pilotes professionnels en électrique ne vont pas vraiment chercher le contact, ou en tout cas on essaie de ne pas se sortir. Donc je pense qu'en partant premier, à l'image de Christophe hier qui a fait une super course, j'ai de grandes chances de remporter la manche. Je vous demande une ovation pour Nathanaël Berton. C'est vrai qu'il est pas terrible. On peut l'enlever maintenant, on l'a vu. Je suis gentil. Alors c'est bien de gagner du terrain, n'en gagnez pas trop, parce que la TF1 quand même, on tient à garder notre place.